Je vais vous encore révéler certaines choses sur le CNRD. Les gens que eux, ils ont nommés. Je vous avais dit si Doumbouya était sérieux dans ce qu'il est en train de faire, qu'il appelle aujourd'hui CRIEF, lutte contre la corruption. Après avoir changé le gouvernement du ministre au planton, il devait auditer les membres de son gouvernement. Actuellement, le secrétaire au ministère des Affaires étrangères, qui est en train aujourd'hui d'arnaquer les gens, parce que c'est vous avez dit numéro vert, le numéro ça passe pas, alors on va casser vos papos ici. Le secrétaire au ministère des Affaires étrangères, il appelle les trésoriers des ambassades de la Guinée à travers le monde pour faire du chantage, pour dire à ces gens-là, envoyez de l'argent, sinon on va vous enlever à votre place. Ceux qui envoient de l'argent, c'est-à-dire les comptables, les trésoriers des ambassades, et ceux-ci puisent de l'argent dans les maigres recettes des ambassades pour envoyer à ces bandits-là, pour s'enrichir sur le dos du peuple. Je vous ai dit, le CNRD, c'est de l'arnaque. C'est juste le semblant devant le peuple de Guinée qui sont en train de travailler. Voici ces arnaques aujourd'hui qui se passent au niveau des ambassades. Le monsieur est là-bas, le secrétaire aux affaires étrangères. Il envoie, il parle à ces gens-là. Si vous envoyez cet argent, on va vous maintenir. Doumbouya, je t'ai dit, tu ne peux rien faire qui fera que les gens vous feront confiance. D'abord, ton gouvernement, tu devais commencer d'abord sur eux, comme tu veux rester 4 ans ou quoi. Quand on veut donner l'exemple, un, vous devriez présenter vos biens aux Guinéens, vous ne l'avez pas fait. Vos cadres sont en train de voler, et c'est partout. C'est pourquoi je vous ai dit, envoyez-moi les infos, n'ayez pas peur, la presse est déjà vendue. La presse est déjà vendue en Guinée. La presse est déjà corrompue. N'hésitez pas, envoyez mon numéro. Vous l'avez déjà. Ou vous écrivez ici. Nous, on va casser tout ici. Nous allons dévoiler tout ici. C'est là. Eux, d'abord, ils sont corrompus que les autres. Ils sont venus s'enrichir. Et ils sont en train de traquer les autres comme si ceux-ci n'ont rien apporté à ce pays. Donc, n'hésitez même pas. Moi, je vous ai dit, c'est le général 5 étoiles. Je n'enregistre pas. Voilà. Je ne dévoile pas mes sources. Envoyez, ne vous inquiétez pas. Envoyez les messages, les vidéos. Je vous envoie quelque chose. Je vais vous montrer la photo que j'avais mise. Regardez les victimes. Partagez dans tous les groupes. Regardez les biens des gens qui sont en train de vider aujourd'hui. Regardez des Guinéens en ce mois saint de Ramadan. En ce mois saint de Ramadan, regardez ce qui se passe. Regardez. Donc, la famille, c'est pitoyable. Comme l'État ne veut pas aider ses familles, j'ai demandé à ce qu'on me donne des numéros de ses victimes. Nous n'allons pas collecter de l'argent au nom de quelqu'un. Mais les victimes aujourd'hui, les familles qui sont dans des situations déplorables aujourd'hui par la politique de haine du CNRD, tous ceux qui peuvent nous contacter, envoyez-nous vos numéros orange. Nous allons faire des appels, des collectes de fonds. Ce n'est pas moi qui va recevoir de l'argent, mais vos numéros orange, vous envoyez, les gens vont essayer. Toutes les bonnes personnes, toutes les bonnes volontés qui peuvent vous aider là, ils vont essayer de vous envoyer quelque chose pour vous aider. Donc, les parents des victimes, c'est-à-dire les victimes de ces déguerpissements-là, n'ayez pas honte, c'est le numéro que vous allez donner. Les gens vont vous aider parce que c'est du jamais vu ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Le monsieur dit que sans état d'âme,
Les familles aujourd'hui, le père de famille, tu te retrouves devant tes enfants, ta femme, impuissant. C'est choquant aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, envoyez les numéros. Nous allons mettre ces numéros, nous allons demander aux bonnes volontés de vous aider, d'envoyer des Orange Money. Nous aussi, si nous pouvons le faire, nous allons le faire. On ne peut pas rester impuissant face à cela. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi en privé. Vous allez, moi, je ne vais pas collecter de l'argent pour quelqu'un. Je ne vais pas gâter mon nom pour ça. Mais vous, ayez le courage, envoyez-nous vos numéros pour que des Guinéens, d'autres puissent vous aider. Comme l'État veut rien faire pour le peuple de Guinée, nous, en tant que la voix des sans voix, nous allons essayer aussi comment contribuer pour aider nos compatriotes. Parce que ce qui se passe, c'est déplorable. C'est la misère sur les Guinéens par la politique de haine de ces gens-là. Comment est-ce que déjà les gens, ils ont du mal à payer la location, à nourrir leur famille? On vient, on fait sortir toutes ces personnes, on dégage, on les met sans mesure d'accompagnement. Quand on dit l'État, c'est nous tous. Ces bâtiments-là appartiennent aux Guinéens. Ça appartient à tout le monde. Vous devrez avoir honte. Vous devrez réfléchir que quand on parle de la bonne gouvernance, c'est d'aider les Guinéens, alléger la souffrance des Guinéens. Mais ce n'est pas d'aggraver encore, comme vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc, les victimes de ces déguerpissements, on ne dit pas qu'on va vous donner des milliards et autres, mais on vous dit, envoyez vos numéros que nous allons poster. C'est seulement vos numéros. Les bonnes personnes, s'ils peuvent vous aider, même si c'est 100 000, 200 000 francs guinéens, 50 000 francs Orange Money, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous aider, donc faites-le. C'est méchant ce qui se passe. C'est méchant ce qui se passe aujourd'hui. La politique du CNRD, c'est pour faire souffrir les Guinéens. Et nous ne pouvons pas rester impuissants comme ça, sans faire quelque chose. Voilà. Donc, la famille, franchement, quand nous allons rentrer en contact avec ces gens, afficher ces numéros, vous pouvez les appeler vous-même directement. Ils vont vous donner leurs coordonnées. Ce que vous pouvez faire pour ces familles, faites-le. À cause de Dieu, aidez ces personnes-là. Moi qui vous parle, nous allons faire notre part aussi. Parce que le CNRD, Doumbouya l'a dit ouvertement, il a dit au préfet, n'ayez pas, c'est-à-dire faites-le sans état d'âme. Qui on va loger dans ces maisons? C'est des Guinéens. Qui on va loger dans ces Guinéens? C'est grave. C'est grave. C'est grave ce qui se passe dans notre pays. Ils sont là en train de voler. Ils sont là en train de s'enrichir. Comme je vous ai parlé du secrétaire du ministère des Affaires étrangères qui est en train de faire du l'arnaque. Il appelle les trésoriers des ambassades pour dire si vous voulez garder vos postes, envoyez ça. Et les trésoriers là aussi, je ne sais pas pourquoi vous pouvez tomber si bas. Il n'y a pas eu de communiqué. Quelqu'un vous appelle parce que vous voulez garder vos postes, vous l'envoyez de l'argent. Je vous ai dit, toute forme de corruption, appelez le général ou bien écrivez le général, ne vous inquiétez même pas. Vous ne serez pas dénoncé. Il faut qu'on on les expose, il faut qu'on montre au peuple de Guinée leur politique deux poids deux mesures. Sur les anciens aujourd'hui qu'on est en train de blâmer, mais eux-mêmes, les membres de leur gouvernement, les mandias Sidibé aujourd'hui, demandez les mandias Sidibé, quand ils vont dans leur quartier aujourd'hui, ils distribuent parce qu'ils sont en train de voler. Leur salaire est passé de 50 millions à 80 millions. On ne parle pas de ça. Et c'est ces mêmes journalistes, les démagogues qui sont là aujourd'hui à encourager les dérives de ces gens, les Moussa Moïse et autres qui s'achètent aujourd'hui des maisons. Et ils sont là pour nos cadres, on les ramasse politiques. Regardez le cas de Damaro. L'Assemblée, là il m'a dit lui-même, il avait été là-bas. Quelqu'un qui est venu, il ne gère pas, finance quoi? Arranger l'Assemblée, même les toilettes,
du palais. Pour ceux qui connaissent le palais du peuple, dans quelles conditions était. Le monsieur est venu, il a rangé, acheté des bus pour les travailleurs et autres. Mais comme ils ont des calculs politiques, toutes ces personnes-là, comme je l'ai annoncé il y a longtemps, avant qu'on ne parle de leur soi-disant grief, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Toute personne qui peut les déranger, ils sont en train de les attraper, les mettre en prison. Derrière ça, dans ça, est en train de rédiger leur soi-disant, comment on appelle ça même, constitution. C'est pour venir dire, tous ceux qui ont été mis en prison, leur casier est sale. Ils ne peuvent plus être candidats. Voici tout le petit jeu, leur combine aujourd'hui. C'est pourquoi ils ne respectent pas, ils attrapent les gens, les mettent en prison. C'est-à-dire toute personne qui n'est pas proche du pouvoir ou qui n'est pas présentiable, bon, son cas, on minimise un peu, on fait comme si ce n'est pas tout le monde. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, il y a des gens qu'on connaît au temps du gouvernement, pour ça, Alpha Condé, qu'on peut dire oui, ils ont volé, ils ont fait ça. Eux, ils sont libres. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont aidé des gens à sortir. On connaît des gens que le CNR de eux-mêmes ont pris de l'argent avec ces gens-là pour les faire sortir. C'est dommage pour notre pays, hein. Franchement. C'est dommage. Le CNR de c'est une honte, mes frères, mes chers compatriotes. C'est une honte. Bon, vous avez vu la démagogie. Eh Allah. Wallahi, CNR de Kobrake, Abrake, Drekebani Kambale. Attendez, je vais vous montrer la démagogie de certains encore. C'est purement de la démagogie. Bon. Nko Kabako, vous avez vu? À la rentrée de Nabaya. Co-espoir de la jeunesse. Vous voyez même la rentrée de Cancan. Vous voyez la rentrée de Cancan. Vous voyez, c'est Goudron qui est là, grâce au professeur Alpha Condé. La cité de Nabaya, c'était la poussière. Mbara mune fo mo lu nyene. Kuma mai. Anye do tan kono. On ne peut pas s'asseoir ici pour tout dire. Ceux qui sont dans la démagogie, nko angbansa kuma ni femuro. Ali atode, sinon professeur Alpha Condé a hacké à déballo. Manka ding a chamayebi. Affaire lo albro ka warisoro avec la professeur. Dumbuya fente. A brokronde comme ni. Moi ka kefenye professeur. Nale ka étage sur 12 étages. Ka yoro sur l'andéria. A kenye chiaman etre armero. Alma osoro. Ni moi ka kefenye, c'est le professeur Alpha Condé. Na yo mo compte la bi. Aye manka den le compte la. Ole kati lo late. Ni démagogie brote. Pour aller mettre ça, co-espoir de quelle jeunesse? Cancan, les gens de Cancan pleuraient, co-couranté, au temps du professeur. Mais, Kounoukaf Sanibie. Et les démagogues là, ils ont le kilo d'aller mettre ça. Cancan Sokono. Ni Bonyuma Kakeibi. Cancan Aye Nyuma Yabi. Anya Fos Cité Nyuma. Grâce au professeur Alpha Condé. Alkatom ou Falanyan, alou démagogue, les démagogues qui mettent ça là. Djamfato, Djamfanto, ou la action. Allez, ou la kanka dondal. Vous n'avez pas honte? Quand vous êtes sur la moto, ka voyage kanka so konobi, bangbate mol koka poussiété. Moi, pendant les campagnes, j'étais fier. Je pouvais me vanter parce que j'ai grandi un peu en Côte d'Ivoire. Je peux comparer la ville de Dalewa à la ville de Cancan. Ndise ka Cancan image ta ka comparer Côte d'Ivoire, Dalewa. Dalewa c'est une grande ville de la Côte d'Ivoire.
ndise ka kanka comparé au ma bangbatan na sokono ndafo kanka ma fene lampadaire ni fem lui bonuma lui sokono mais demagogue lu hein ama fene kaota kao bla kanka sodala parce que kolai ma di braleo eh alte doba la demagogie là bas alte slan alagne ayez peur du bon Dieu, ayez peur de Dieu. La démagogie l'a arrêté. Vous avez forcé, vous êtes en train de forcer. Vous êtes en train de forcer. Partout. Énerver les gens comme si c'est ce que veut Cancan. Tiens le toco. Ils ont tout fait pour salir, pour faire, c'est-à-dire tourner la page du professeur Fakonde. Eh, Viaro, qu'à Viafo, qu'au professeur Lakola Danine, que c'est le coup du professeur pour que les gens puissent adhérer. Vous avez fait ça, on a démenti. Vos mensonges, vous vous servez du professeur Fakonde, son nom, pour pouvoir avoir de la popularité, pour que les gens vous aiment. Vous êtes en train de séquestrer, torturer le vieux. Au père Via. Je vous ai parlé ici que le Fama n'est pas libre. Nga fal ñene de le bola oh professeur Brabla Damaro akolu ke hankiri la hankiri awa atote tembutu. Professeur il est libre pour aller où? Il est libre pour aller où? Avec ça Ali Feko anyena ko kado dumbu ya koro. Campagne mi ambele ka ke kankan. Ka professeur am voté la oulenya. Am voté la ima dinyade. Jamfan tele la ima die. Anani kanam anamobata kalam maluya. Kayila dunia la. Sanji juri, chomoba yesela. Ali proser ton kakakawa, me a nyami kote. Burkina mafene. Aluka lamwa babunye. Mali mafene. Aluka ibekabunye. Kanyamado. Me anutawe. Anamobata kalam maluya. Kabafroko ka garde kakala prisonnier. Eh, horon jene kato yisonaoma. Horon jene kutu yisonaoma. Nafolo koson ki ba via fola horon denjene ke tu sona ka dumbuya soutenir professeur nyakoro horon denjene sabari kainde ma nafia doye ali odabla aldafa ma kwanya sabari malie nafia dabla dumbuya teke fausse les professeur nyakoro regardez moi un demagogo le prague n'a rien fait pour Cancan toi peut-être que toi champion Pepe Bereté. C'est que tu ne viens pas de Cancan. Les enfants de Cancan peuvent témoigner ici. Avant l'arrivée du professeur Alpha Condé, comment était la cité Nabaya? Quand on dit un président a apporté quelque chose à une région, il y a le goudron. Enlever la ville dans la poussière. Il y a l'électrification. Il y a les entreprises. C'est-à-dire des contrats qu'on donne. Il y a eu beaucoup de choses. Kankanka yere worolu. Minu kalu yere long. Alu tena ofolade. Me yere long bali. Yere long bali. Soute mwa minuna. Alu de ofo. Me mwa minu kalon. Mandete. Sa di. Là se raconte la régime. Etudiant lu. Alu tere wala. Kankan université la. Kalu mate très bien. Élection barakela. Même la voix de la Haute-Guinée, Altera Bella Benale. Et ni Kankaka de Lukake, si les jeunes de Cancan sortaient pour dire on veut le courant, le professeur, il envoie des groupes. Les dépenses qui ont été faites à Cancan. Il y a les quatre les régions administratives là. Les dépenses de Cancan étaient trois fois que les autres, que Zérékoré, que Kindia, que l'Abbé et autres. Dans le coco, ma coquet. À la banque centrale, ma fenebi. À la chérifou, la tronque diao, à ma fenebi, à Beladane. À la préfecture, ma fenebi. À ta toba, n'ka ou le falignane. Là, il m'a dit, te fausse l'éke, à dima de professeur là. Founika kenya belli. Attendez, je vais bloquer. Founika kenya belli. Founika kenya belli. C'est une réalité. C'est une réalité. Ali professeur, à ma kinye, à ma barre d'imme. Mais Ali, Ali, il faut là. Hein?
allez prendre ça, coca obla, co, kanka jeunesse. Ata adoni madame, sebete adoni mi bro. Là, il m'a dit, adoni langue français, oui. Sebete au bro, ato madame. Son petit frère est couché en France. Il n'a qu'à aider son petit frère qui n'a pas de papier. N'a seni madame, ni nana seni kola, adoke, anadema. Même père, même mère, il est en France. Il n'a même pas de papier. Il peut pas. C'est-à-dire, il se dit, s'il rentre, si ça ne marche pas, il ne peut pas se retourner. Mais lui, il est là-bas. Il n'a qu'à aider son petit frère, de même père, même mère, qui est en France, qui n'a pas de papier. Il n'a qu'à l'aider. N'a seni mademenina. Aya yere kanid. C'est-à-dire, Abramo lui est, Anakomo lui est. Aya oulou mademe. N'a seni mademenina. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il n'a qu'à aider ces gens-là d'abord. Au lieu de venir faire du chantage, qu'à photobabla, qu'au espoir. Adesse moudila. Mou. Donc, merci en tout cas, les vrais Nabayaka qui ont répondu ici, aux démagogues qui n'ont rien compris. Tiens les torcos, tiens. En cas où le falmienne. Quand le monsieur va respecter le prosal Fakonde. Lorsque le monsieur va respecter le prosal Fakonde, ka il a quoi la mobale, ka anna parti, ba, RPG arc-en-ciel, ka anna parti toi sous là. Nous, il n'y a pas de problème, en daltoué. Mais tant que Aliana parti, anna leader, qu'elle a mordini, ka bafana ko ka anna fama ke mordini, wallahi ante dumbuya tué. Andi se koko ke la dumbuya la, anda kefeu. Anna principe yowole. Voilà. Anna principe ou yowole. Mbra ou le falmienne, altanya yela. Vive le fama. Kabasal. Vous savez, ce qui les rend jaloux aujourd'hui là, ils ont peur de la vérité. Que ce soit les gens de la basse-côte. Eh, béa yela ya. Abarafou la basse-côte ka lusuma, bangura. Hein? Tourelu, kamaralu, altolu yeya, firitalma, procède douma lunyali, kakial doum. Futakal dofonaye, al siaman yevbi. Professeur Doumalouni, Al-Kalabé, préfet Krok Makame, Bantamasso, Atatouronom aussi fait. Professeur Lako, Atatouronom aussi fait. Haute Guinée Kalou, Fana. Bien vrai que Molou Mabo, via le Warala, il y a eu trop de mensonges. Ah, Diane très fait qu'à coup d'état, Diane très fait qu'à le fafoua. Donc, Mamadi, Akadoumouya, Aka, professeur le Kounakara, Akadjamana Lakara, ni Mouagara Lutukata, Ambakot Marasa. Mana, mana, kuma, sular, yakuma, Hankrido, yakuma, suyaourou. Mana mana kuma matimi kuma urula. Natu kaketa. Nani mwole le trenyona. Atre professeur la pouvoir le protéger la. A professeur, idjou lete, minete. Ikambla ya ole la. Comme défense. Hankrido ya kuma suya uru. Kola ima di, ka professeur le sauve, akalaginele, akamandele kunayere. Mana mana kuma. Mana mana kuma subansa. Ate se fosse le falanyane. Kwa liyo professeur, c'est-à-dire, quand le professeur rabaisse quoi, antes c'est son aolema. Anne anou yenyona diam na olewe. Nal kake koko kela, nal ma professeur la honneur, blanye fe. Jamais a te marché. Ali o blan kuna. Nal koko anda kol ye diam olunye. Fali le professeur ali abouyene. Nal ma oke, jamais plus grand. Anta l'to y feu. Anne anou ye an nyona yorom na olewe. Ante na diana feu. Professeur la honneur. Allez au bafouillant Nyakoro. En tant que de Bréladé, allez la Guinée transformer, allez à Dubaï, ou bien allez à Femfine, à nous ma côté. Encore les femmes, allez les calquefine, à Maramieti, Fentutie, Idi Amin, Bala Samoura, ka Bonta Kadi Balama, ka Mamri Takadi Balama, ka Beke Idi Amin Lunye, CNDD, du matériel lié, fait un tal lié. Moi, mes caloutes, à calbonor, ou les femmes. Donc, Albaraye, comme à talda, faut qu'à boire qu'à qu'un mol gébeille. Sinon, la réalité en face. La réalité en face. Donc, on a le cas où n'y a eu à timina. Car l'on, quoi, tu sais que la fini, n'a le ma professeur bouillé. Il n'y a pas de problème. En dit à Masla Krekoka, mais Kalto Mobal Torola, Kana Mobal Lamaria,
kana fenti kilekile mia anchema kalke burukroni katol tata kadaluma katol tata kadaluma man kaden kilekile minu ye ila ko fenti ali aka kalbeke burukroni e kwani ye bakoka na kampia falnye ceux qui parlent là les communautaires là mra falnye ne mande mandal nyo alte mande défendu là mande la intérêt mandal nye fana tiens mandal nye alu fenko bari la di alu kali re kan intérêt lelo mra o falnye ne en tout cas Amadou Keita merci à vous merci à tous les horondés tous ceux qui aiment la vérité merci en tout cas à vous. Je viens de recevoir une information capitale, mais je vais garder ça, comme je suis un général. Donc, ça concerne là, il m'a dit toujours. Demain, je vais vous partager l'information là. Je vous ai dit, c'est le général 5 étoiles. Tout ce qui concerne ces gens-là, nous sommes déjà informés à la minute. Restez calme, prions le bon Dieu. À la matière de maintenant, mais moi, menu à l'islam, kaltena wala yrosi. Sura si hankir malu, la gine duma moi menu nye. Moi menu te la gine kal la torofe, al dalwuri, inshallah, kamolu botro yamin, be isabaritu, na kadia dumbuyanye, ayana sura si birinta, ayal lawa, etran, sladu malila yere. Mais ala, na ka decide lomina, adiba. Adama denyere kani, sumuni disibola inun kokase, ida walo. Il est hémorragique en même temps. Nala kapre adama dema. Lolo. Fosta sa. Donc, ben savari. Kol dina be. On koni. Antena na viale défendu la. Komito tien. Anka toro nyanyaka. Andi tien défendu. Tien ne toko tien. Atena tolama. Abrabra malomina. Alassane Balde. L'audition de la CRIEF, mon nom qui est haute là, il est 22h, ils veulent juste les envoyer en prison. Ça déjà, Anou Brabal Limeneyala ou ma déjà. Alouane Kassourini tolu yedia minon, An Brabal Limeneyala. Kwa l'ouato mwa tolu minala le kalbla. Tu vas reprocher Damaro sur quoi? Il est venu, il a refait l'assemblée, il a acheté des bus. Tu vas la vouloir pour quoi? Tu vas le reprocher de quoi? Mais, Aliye Kokolate, Djamanya Belafana. Nous sommes tous assis, on est en train de regarder. Ibrahim Kourouma, Albert Kassourilou. Faut être la dossier. Mais, Allah le cas, bon, le font, Dumbuya. Ceux qui sont en train de le conseiller, Amandé Alouniade, ils sont en train de le pousser dos au mur. Actuellement, il y a la haine, la population dans sa majorité, qui en ont marre de lui aujourd'hui. J'ai dit, juste une petite action. Ceux qui l'ont poussé à commettre ces erreurs-là, à quête en côté là, Alou le dit, n'a pas le pouvoir takababuru. J'ai déjà dit ça. M'bra conseillé. Mais après, flana kabankou na lomina. Awandi marbajasa de olona. Ce jour-là, je vais danser. Ngonka fanyene. Je lui ai prévenu. A mame. Anye wa matou. Aye la ko, masaya, fankali, hankirili. Mi, jama sao, yo le kela. Me ti yere sao kela. Kapon ne bra falata, ma kote. Sura si lui yonko. Nyalu sera là, côté na, voilà le côté qui là, mobal baratimi, chefari lu baratimi. Ya. Donc, en bayan sabari, ben ya kolu wanyala, ben kalon, ko ce qu'ils sont en train de faire, il y a trop d'injustice dedans. C'est vrai, c'est normal de lutter contre la corruption dans un pays, mais la manière, la forme, c'est ce qui déçoit les gens aujourd'hui. Aldi mol tate groupe, katalye, et koko moi, mi ka détourné ma ke. Na se a nye kasara. O procédure na Kenya beye. A te o fos ke la. Because, leur plan de détruire, de salir les responsables. Même si l'on rentre aujourd'hui, wallahi, on le met en prison. Si d'y rentre, ils vont le faire. Après, les libérer. Et comme ça, quand ça va finir de rédiger maintenant la nouvelle constitution, c'est pour venir nous dire que, ah non, tous ceux qui ont été mis en prison, leur casier est sale, ils ne peuvent pas être candidats. Kanambara. Pour créer encore d'autres problèmes à ce pays-là. Quand ces militants-là vont se lever, les gens qui aiment Dr. Kassourou, ils vont dire, ah, non, on ne va pas. C'est pour créer encore d'autres tensions. Eux, ils vont rester,
Il n'y aura pas d'élection. On va rester dans ça. Ils vont, c'est-à-dire, ils vont piller les richesses du pays. C'est-à-dire, on va rester dans les manifestations parce qu'ils savent que ça va venir. Il faut créer des tensions. Maintenant, ils vont dilapider les biens de la Guinée. L'or, je vous ai parlé des 3 tonnes d'or. Ils ont tout dilapidé. Et même ceux qui rentrent, ils sont en train de tout dilapider, s'enrichir.